a new world painted two tone. Came straight up out the trap with a mission. Got hard. Yup, c'est le 9C2, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une vidéo, vous m'avez demandé depuis 3 siècles, depuis l'année dernière même, je me rappelle, j'avais noté sur mon agenda quand Mbappé il a marqué son premier but en équipe de France. Ah putain de merde, j'en ai marre. Non, on va pas parler de foot, je sais, mais non, parce qu'il y a trop de trucs à dire, trop d'équipes qui sont nulles de ouf, on va rien dire. Casa, Heartbreak 3, Heartbreak. Heartbreak 3. En fait, quand tu dis Heart, il faut prononcer le H, en fait. Parce que voilà. Si tu prononces pas, si tu dis juste Heart, c'est la Terre. Tu parles de la Terre, le sol, la planète, tout ça. Donc non, c'est Hearth. Hearth. Et un jour, je vous fais une vidéo, on va travailler les verbes irréguliers, tous ces bails-là. Non, en vrai, Casa, Heartbreak 3, on va voir ce que ça donne. J'avais fait le 1 et le 2, et je me rappelle qu'on n'attendait pas grand-chose au début du 1. On a fait le 1, on a vu que c'était lourd, on a fait le 2. Et le 3, il y a eu du laisser-aller, du coup, il est jamais venu. Là, ça fait quasiment un mois après que je vous sors le 3, je suis désolé. Mais on va remettre ça carré au fur et à mesure. C'est parce que j'avais des trucs à faire, tout ça, vous connaissez déjà. D'ailleurs, les lives Fortnite, ça va reprendre bientôt, faut juste que j'arrive à savoir comment je fais ça, ou quand, comment, parce qu'en fait, si vous voulez, j'essaye de stopper les lives sur la Play pour les prendre depuis le PC, histoire de vous donner un truc plus cool, quoi. Donc on va voir ce que ça donne, et puis, let's go, hein. De toute façon, je vous tiens au jus. On est dans le même délire, toujours. Ah, c'est les anciens films américains, ça. Avant pour moi c'était pas facile, je voulais pas me voir dans la résine. J'ai charbonné plus dur qu'à l'usine, donc elle veut que j'enlève ses barésines. Problème t'as pas idée, je peux même pas lui en parler. Comme j'ai fait le million de vues, mon cœur elle veut réparer. Mais avant tout ça, elle me répondait pas, elle me calculait pas, ouais. Elle me voit sur Insta, je deviens une resta, donc elle revient me parler. Oh la mamouna, toujours avec un bino. Maintenant j'ai l'étale, quand tu veux le délire. Si sur moi ça tire, est-ce que sur eux t'iras tirer? Tu dis que t'es la bonne, mais t'es là parce que tu me vois briller. Le soir avant de dormir, je me demande pourquoi je suis tant brisé. L'amour c'est vrai que ça blesse, mais y'a la moula pour recoller. Faut que j'ai pas mon cœur, elle savait déjà que j'étais comme ça. Faut que j'ai pas mon cœur, recoller, y'a la moula. Faut que j'ai pas mon cœur, j'suis trop déçu, donc j'y crois pas. Faut que j'ai pas mon cœur, après je m'en vais, après je me taille. Faut que j'ai pas mon cœur. Ça fait déjà que j'étais comme ça. Faut que j'ai pas mon cœur. Recoller à la moula. Faut que j'ai pas mon cœur. J'suis trop déçu donc j'y crois pas. Faut que j'ai pas mon cœur. Après je m'en vais, après je me taille. Après je m'en vais, après je me taille. Tu reviens que quand j'ai la maille. T'es pas là quand j'suis sur la paille. Ce que tu veux toi c'est l'état. Les meufs comme toi j'suis fatigué. Toute ta vie tu m'as négligé. La Mario quand tu cassais. La copine elle m'a rappelé. Dans le merco et la bizarre, moi tu me vas. Tu peux recevoir des appels sans montrer le numéro maintenant? Parce que ça c'est un Android. Sur Android, tu peux recevoir des appels sans montrer le numéro. Si sur moi ça tire, est-ce que sur eux t'iras tirer? L'amour c'est vrai que ça blesse, mais y'a la moula pour recoller. Faut que j'ai pas mon cœur, elle savait déjà que j'étais comme ça. Faut que j'ai pas mon cœur, recoller, y'a la moula. Faut que j'ai pas mon cœur, j'suis trop déçu, donc j'y crois pas. Faut que j'ai pas mon cœur, après j'm'en vais, après j'me taille. Faut que j'ai pas mon cœur, elle savait déjà que j'étais comme ça. Faut que j'ai pas mon cœur, recoller, y'a la moula. Faut que j'ai pas mon cœur, j'suis trop déçu, donc j'y crois pas. Faut que j'ai pas mon cœur. Est-ce que sur eux t'iras tirer? L'amour c'est vrai que ça blesse, mais y'a la moula pour recoller. Si sur moi ça tire, est-ce que sur eux t'iras tirer? L'amour c'est vrai que ça blesse, mais y'a la moula pour recoller. J'ai le cœur brisé, que la moula pour recoller. Non, moi j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Non, moi j'aime bien. En vrai, j'aime bien. Ok. Ce mec-là, il a un... En fait, le problème, c'est que j'espère qu'il va arriver loin. Parce que le souci, c'est que là, tu fais ça.
Mais le souci, c'est que tu vas faire Art Break 3, 4, 5, 8, 12, 100 millions. Dès que tu auras fini, si après ça tu sors pas un projet, pas une mixtape, hein, une mixtape c'est pas. Faut, pardon, une mixtape c'est pas un projet, faut arrêter. Si tu sors pas un album, un projet lourd, un vrai truc, parce qu'une mixtape c'est juste tu prends des musiques que tu avais, tu les mets dedans et tu fais ça sortir sur le nom mixtape et tu dis tenez le truc. Voilà, une mixtape faut arrêter, c'est pas travailler, arrêter. Ceux qui sortent des mixtapes, je vous dis direct, hein, de mon avis à moi, ceux qui sortent des mixtapes, sortez des albums. Si vraiment tu veux faire genre, tu sors un projet pour tes abonnés ou un truc comme ça, sors un album. T'es là, tu veux sortir une mixtape. Une mixtape, c'est un rassemblement de musique que tu mets, tu dis tenez. Un album, c'est un rassemblement de musique que tu fais pour ça, pas que tu as déjà pris d'avant et que tu fais ça. Ou alors tu mets une, deux, trois musiques, les musiques que tu as déjà clippées, que les gens ont kiffé, tu les mets dans l'album, mais c'est du plus, c'est pas du. Tu reposes sur ça. Sinon, c'est une mixtape. Si tu sors un album, ça sert à rien. C'est juste pour dire aux gens, tout ce que vous avez kiffé, je vous le mets dedans, je vous le donne. Ça, c'est une mixtape. Si tu dis aux gens, je vous prépare des musiques pour une histoire que je veux raconter, un album, un moment de ma vie que je veux vous raconter, un truc comme ça, là, c'est un album. Si tu dis juste, toutes les musiques que vous avez kiffé, je vous les mets dans un truc, je vous le vends, ça, c'est une mixtape. Pour ceux qui ne savaient pas la différence entre les deux, c'est gratuit. Donc, ouais, non, franchement, ça passe. Non, franchement, ça passe. Moi, j'aime bien. Donc, bon, c'était Lost Stars. Prenez soin de vous comme d'hab. Prenez vraiment soin de vous. Hein. C'est important. En vrai, je le dis, mais c'est important de prendre soin de soi. Parce que c'est quand vous prenez pas soin de vous, après, vous vous rendez compte, vous êtes là. Ah ouais, j'aurais dû, machin. Mais non, en vrai, franchement, ça reste un bon son. Ça reste un bon son. Et ce que j'aime aussi, c'est que, bah, il a une voix qui passe. Une voix qui passe. Comme je le dis, je le dis tout le temps, mais je le redirai encore. Il a une voix qui fait que même si t'aimes pas la musique, tu peux la laisser là, ça te dérange pas, tu la mets sans fond, tu la regardes, ça te dérange pas. Que ouais, il y a des musiques. Enfin bref, c'était Lost Stars, prenez soin de vous, moi je me tire, tchuss!